Ok, chers entrepreneurs, aujourd'hui, on va parler des trois dimensions du succès. Il y a beaucoup de personnes dans la vie qui ont du succès dans une partie de leur vie et l'autre partie, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, on va déficeler trois points importants pour avoir un peu plus de succès dans ce qu'on fait. Ok, donc, on attaque. La première fois, c'est un concept qui est fait en anglais. Hein. Donc, on parle du hit. Hit, c'est la fin. Quand tu es déjà arrivé, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on sous-entend comme entrepreneur? On a du cash. On a des résultats, on a le succès, on a tout ce qu'il nous faut parce qu'on est déjà presque arrivé à la fin. Mais juste avant ça, on a le oui. Le oui ici, on parle de ce qu'on appelle le travail en équipe. On est une équipe, on est un groupe de personnes. Qu'est-ce qu'il nous faut ici? C'est du travail en équipe et surtout, trust, c'est de la confiance. Okay? Si on veut faire des grandes choses, il nous faut le oui. Maintenant, après, tu as le I. I, c'est pour les individus. Okay? Individus. Tu veux que les individus soient contents. En plus, tu veux que les individus soient engagés avec ce qu'ils font. Tu veux que les individus soient eux, qu'ils soient vraiment totalement eux. Qu'est-ce que tu dois faire? Voilà maintenant ce qui se passe. Les individus, quand tu as une équipe des individus qui sont contents, engagés et qui sont authentiques, ils viennent ici, ils travaillent en équipe et il y a de la confiance. Comme compagnie, vous aurez les résultats que vous voulez, du cash, des résultats et le succès. C'est très important de travailler constamment sur les trois sphères à la fois. Pas un, parce que tu ne veux pas avoir du succès quelque part et pas d'autre. Tu dois travailler à la fois comment tu dois faire grandir ton équipe, tes individus et ton business. Applique-les. Bonne journée et succès.